Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to my new subscribers, thank you for subscribing. Aujourd'hui, on va parler de crème hydratante. Oui, si vous avez la peau sèche, très sèche, peau sensible, j'ai des petits goodies, j'ai des options pour vous. Si vous avez des enfants qui ont la peau sèche, j'ai des produits qui peuvent aider, les marques qui peuvent aider. Enfant comme adulte, ça va beaucoup servir, ça m'a beaucoup servi. Je souffre de képi. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo, je vous conseille d'aller la regarder de ce côté ou de ce côté. Je vous mettrai le lien pour voir ce que j'utilise, ce qui m'aide, comment ce que je fais, ma routine soins corporels pour m'aider à estomper le problème de képi. Voilà. Alors, le premier produit que je vous conseille pour une personne qui a la peau sèche, eczéma, la peau très sèche, qui veut hydrater sa peau, je vous conseille mon chouchou, ma marque préférée. Je reprends la marque chaque année à partir d'automne jusqu'à début printemps, en fait. Et c'est la marque Aderma. Oh my God! Et c'est de la marque Aderma. Voici le produit. Donc j'utilise, ça c'est la lotion crème émollient. Vous avez le baume, vous avez le lait. Et moi je préfère la crème émolliente. J'aimerais bien essayer le baume. La baume ou le baume émolliant. Bientôt. Je vais voir, je vais un peu comparer, mais sinon, j'utilise très souvent la crème, en fait. J'utilise sur mon visage et tout mon corps. Cette crème-là contient... Donc, c'est ça qui aide à hydrater votre peau, à la garder hydratée. Voilà. Donc, c'est vraiment un lait qui est vraiment agréable à appliquer. Ça ne vous laisse pas trop, vous savez, le film trop gras sur la peau, mais ça hydrate et ça tient pendant toute la journée. Vous êtes à l'aise, en fait. Votre peau ne tiraille pas toute la journée. Vous êtes vraiment à l'aise. Je dirais vraiment, ça tient 20 heures. 20 heures, voilà. Après, moi, je prends ma douche matin et soir, quelques fois, une fois par jour. Et quand je l'utilise qu'une seule fois, c'est bon hein, pour moi. C'est pas comme si ma peau, j'avais de la démangeaison ou elle tiraillait. Donc, c'est le produit que je vous conseille. C'est mon produit top. J'utilise le gel douche et le lait hydratant. Voilà, ces deux produits-là, je vous les conseille à 110%. Après, je vous conseille un autre produit de la marque Lush. C'est le Dream Cream. Celui-ci. Il contient aussi une aide vraiment pour les personnes qui ont de l'eczéma ou la peau sèche. Donc, cet ingrédient fait, en fait, il garde en fait l'hydratation de la peau et aide vraiment à maintenir l'hydratation, tout simplement. Voilà, donc cette crème-là, vous la retrouvez dans les boutiques Lush. Le Dream Cream, je pense qu'il y a le savon aussi, si je ne me trompe pas. Moi, j'utilise la crème et ça me va super bien. Mais je ne sais pas, je trouve que Aderma marche... C'est pas que ça marche mieux, je ne sais pas. Je suis juste... J'aime beaucoup les produits français, en fait. Je pense que Aderma, c'est français. Je pense que ouais, c'est juste ça. Mais quand je n'ai pas Aderma, vu que je l'achète, on ne le trouve qu'en France ou quelquefois Amazon. Mais Amazon, ça coûte très, très cher. Donc, ça fait que quand je n'en ai pas, je repars sur Lush, le Dream Cream. Celle-ci aussi... Très très bonne crème, vous pouvez malheureusement vous pouvez pas l'utiliser sur le visage. Voilà. Alors pour mon troisième produit, je vous conseille la marque CeraVe, la lotion hydratante. Je pense, si je me trompe pas, je ne l'ai pas sur moi, mais je l'ai utilisé. Tous les produits que je vous recommande, je les ai déjà utilisés et c'est pour ça que je vous donne en fait ce conseil. Vous les trouvez dans les grandes surfaces. Pharmacie, si je me trompe pas, ici dans les magasins Boots, ça marche très très bien sur la peau, mais c'est pas top en fait. C'est pas, ça marche bien si vous avez la peau sèche, si vous avez un petit souci juste pour traiter la sécheresse de votre peau, et voilà. Après, je pense que c'est, je sais pas, je trouve que c'est plus un traitement qu'on utilise un peu et après on lâche.
Après, vous pouvez laisser et repartir sous votre crème. Je pense que ça a des effets aussi, je sais pas, guérissants. Je sais pas trop. Je pense que c'est juste un produit qu'on conseille pendant un petit moment. Après, notre peau guérit et on repart sur notre crème hydratante ou lait hydratant. Donc, CeraVe. Je vous mettrai la photo juste ici. Après, j'ai les produits de la marque Vaseline. J'ai un seul produit, malheureusement. J'ai utilisé la gamme Vaseline. J'utilise plus souvent ceci. Donc, c'est le Cocoa Radiant Body Oil. Donc, c'est l'huile corporelle. Et j'ai utilisé aussi la crème pour le corps. Donc, dans la gamme Vaseline, vous avez plusieurs laits et j'ai utilisé le lait qui contient, je pense que c'est un ingrédient qui marche super bien. J'ai aussi, je sais pas s'il y a le gel qui va avec les produits Vaseline, j'ai jamais vu en fait, ou bien je fais juste pas attention, mais je vous conseillerais de toujours prendre dans une gamme, de toujours prendre le gel de douche ou de bain et la crème, plus si vous pouvez prendre aussi l'huile en fait. Cette huile-là, c'est une tuerie. Elle hydrate votre peau. Elle vous donne un glow. Si vous ne voulez pas utiliser le lait, utilisez au moins ça. Ça va hydrater votre peau. Donner un glow, mais est magnifique. Ouais, c'est... Donc, ça va vraiment vous hydrater. J'ai un autre produit aussi à vous conseiller. Je l'ai utilisé, ça fait très longtemps, des années. C'est de la marque, Elizabeth Cocoa Butter. Elizabeth. C'est un pot, je vous mettrai la photo ici. C'est un pot jaune. Et j'ai utilisé, ça fait vraiment des années. C'était vraiment une crème qui m'avait vraiment donné ça m'avait vraiment unifié le teint. Malheureusement, j'avais arrêté cette crème-là parce que ça, quand je portais des vêtements blancs ou de blanc ou un peu clair, ça abîmait en fait mes vêtements. Voilà, c'est pour ça que j'avais arrêté. Mais sinon, ça vous donne un teint jaune, orange. Ça unifie votre teint, ça vous hydrate. Vous pouvez l'utiliser sur le visage, si je ne me trompe pas, et sur le corps. Voilà, mais après j'ai entendu parler que la crème n'était pas bonne, tout ça, il y avait plein de choses qu'on disait sur la crème, mais moi j'ai utilisé au moins pendant une année ou deux ans, j'ai utilisé avec mes cousines et on n'a jamais eu de problème, jamais eu de souci, à part ce que je vous ai dit, ça laissait un filtre, en fait ça teintait sur mes vêtements blancs et mes vêtements de couleur assez claire, voilà, c'est tout, je vous conseille ça, les enfants comme les adultes peuvent l'utiliser aussi, hein. Voilà. Et après, bah, c'est le tout dernier produit que je vous conseille, c'est de faire votre propre beurre de chantilly corporel avec du beurre de karité. Moi, j'utilise celle-ci de la marque Kusa. Mais vous pouvez prendre n'importe quel beurre de karité. Donc, vous faites votre mélange. Souvent, je rajoute d'huile d'olive et d'huile d'amande. C'est tout. Après, je fais mon mixing. Ce qui est bien avec ce produit, je peux l'utiliser aussi sur les cheveux. Par contre, je ne l'utilise pas sur le visage. Voilà, faites ce que vous voulez. Mettez aussi le parfum que vous voulez, vanille, mangue, pour enlever en fait l'odeur là qu'on n'aime pas du beurre de karité. Donc voilà pour mes conseils par rapport à votre peau sèche. Essayez au moins un ou deux produits, mais moi le produit, la marque que je vous conseille vraiment, c'est le Aderma. Voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est le produit que j'aime beaucoup, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et voilà, essayez sur les enfants, souvent les enfants ils ont beaucoup de problèmes de peau, de sécheresse, donc essayez même sur vous-même, vous allez vraiment voir un bon changement. Essayez-le au moins pendant 6 semaines. Après une semaine, deux semaines, non, c'est pas ça. Faut l'essayer, faut un produit s'essaye pendant 6 semaines à 2 mois, voire 3 mois pour voir ce que ça fait en fait. Pour voir le résultat, un très très bon résultat. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et les conseils que je vous ai donnés, les produits que je vous ai présentés. On se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!